Rapid Travel, on gagne 4-0 aujourd'hui. Un match facile, je pense. Facile, ouais. Quand on voit le score, c'est sûr qu'on a, on se dit que c'est facile. Mais bon, on savait qu'Westerlo, ils étaient dans une mauvaise posture. Donc, ils avaient besoin absolument de points. Après, nous aussi, on a besoin de points parce que même si ça va être difficile, on croit quand même un peu au play-off 1. On a toujours ça en ligne de mire. Après, on a entamé le match d'une manière idéale. On marque 1-0. On en arrive à mettre 2-0. Après le match, je pense que c'est un peu plus facile pour nous. On joue vraiment bien au milieu de terrain. Et défensivement, on est bien en place. Donc c'est vrai que le match, il a été facile, mais on s'est quand même créé ces occasions, quoi. Tu joues un grand match aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui. Toute la saison, c'était très bien pour toi. Hein. Ouais, c'est sûr que ça se passe bien. Après, voilà, je suis pas tout seul aussi dans l'équipe. C'est aussi avec mes coéquipiers, c'est grâce à eux, grâce au staff que ça se passe bien, que moi j'arrive à progresser, à faire des prestations comme je fais. Donc j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Aujourd'hui on prend des 3 points, on y croit le play-off 1 encore? On y croit, ouais, il faut quand même pas se leurrer, quoi. C'est sûr qu'on y croit, on a tous envie d'y aller, quoi. C'est sûr que jouer des playoffs 2, c'est moins intéressant que jouer les playoffs 1. Donc c'est vrai que même si on sait que ça va être difficile, on y croit toujours. Mais bon, notre destin, il n'est pas entre nos mains, quoi, on va dire, parce qu'on est là, je pense qu'on est quand même à 3 ou 4 points de gank. On est à égalité avec Courtrai, ou à 1 point, 3 aussi de Courtrai. Donc voilà, ça va être difficile. Donc maintenant, nous, notre objectif, c'est de gagner tous nos derniers matchs. Et après, bon, bah, si on a la chance que nos adversaires perdent et qu'on arrive à accéder au play-off 1, bah, tant mieux pour nous, quoi, et pour le groupe. Et le plus important, je pense, la Coupe de Belgique. Ouais, c'est vrai que bah, aujourd'hui, c'était le championnat. Comme le coach a dit, faut pas penser tout de suite à la Coupe. La Coupe, c'est le 24 mars. Là, pour l'instant, c'est le championnat. On a fait notre travail ce soir en gagnant 4-0. Le week-end prochain, on a libre. Le week-end d'après, c'est Cercle Bruges. Ça va être un match très important. Donc c'est vrai que tout le monde pense un peu à la Coupe, c'est normal, c'est une finale. La plupart des joueurs, on n'a jamais joué de finale, donc on y pense, mais on veut quand même aussi essayer de décrocher cette place en play-off 1. Donc c'est un peu difficile, mais je suis content parce qu'on a vraiment bien travaillé, on a fait le travail 4-0. On se concentre sur Cercle, même si on sait qu'il y a la finale après, quoi. Mais on aimerait bien faire un bon résultat contre le Cercle Bruges pour pouvoir espérer arriver en play-off 1, quoi. Je vois que le groupe est une unité. Ouais, c'est sûr que bah, le groupe, on va dire, il s'est formé l'année dernière. On a un groupe relativement jeune avec quelques anciens et le groupe vit très bien. On a vraiment un bon climat, une bonne atmosphère et ça se voit sur le terrain, ça se ressent sur le terrain. Tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de clan dans le vestiaire. C'est vraiment un groupe soudé, un groupe qui vit très bien, que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs. Et ça fait plaisir, quoi, de venir à l'entraînement. Tout le monde est souriant et tout ça, quoi. Merci et beaucoup de chance. Ok, merci. Merci beaucoup.